Le 19e congrès national de la Ligue de la jeunesse communiste de Chine, ou LJCC, a eu lieu lundi à Beijing. Des dirigeants du Parti communiste chinois et de l'État, dont le président Xi Jinping, étaient présents lors de la cérémonie d'ouverture. Le congrès a rassemblé près de 1500 délégués, représentant plus de 73 millions des membres de la LJCC dans tout le pays. À cette occasion, Tsai Chi, un haut responsable du PCC, s'est adressé aux délégués, exprimant ses sincères salutations aux jeunes de toutes les origines ethniques, à tous les membres de la LJCC et à ceux qui se dévouent à la cause de la jeunesse. Ce congrès a pour objectif d'évaluer les avancées faites au cours des 5 dernières années dans le travail de la Ligue et d'examiner les défis et les lacunes existants. À la lumière des nouvelles circonstances et tâches, le Congrès étant mobilisé les jeunes pour faire preuve de confiance en soi-même et d'autonomie.